Des chercheurs venus de plusieurs pays ont pris part à une conférence organisée en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. L'humain et la protection sociale sont au centre des discussions. Parmi les thèmes abordés, il y a les sujets de la retraite, l'assurance ou encore l'épargne. Pour en savoir plus sur la conférence, écoutons Najat Mkaoui, professeur à l'Université Paris-Dauphine. L'objet de cet événement, nous savons un peu partout dans le monde se posent des problèmes d'extension de la protection sociale, des problèmes liés au type de financement de la protection sociale, de l'extension de la protection sociale. Dans différentes économies, l'assurance, la couverture sociale ne concerne qu'une petite frange de la population. Ce qu'on observe dans différents pays de la région, mais également donc dans des pays du Sud, mais également dans des pays du Nord. Et donc aujourd'hui, nous sommes ici à Rabat pour discuter, pour débattre, profiter d'expériences internationales, voir quelles ont été les difficultés dans un grand nombre de pays pour étendre la protection sociale, quelles ont été les méthodes mises en œuvre. Parfois, on a des expériences où les méthodes de financement sont innovantes. Et donc nous allons discuter et débattre durant ces deux jours de ces différentes questions relatives à l'extension, au financement de l'extension de la protection sociale, que ce soit en matière de santé, en matière de retraite. Et c'est vraiment le moment où on va pouvoir aussi réfléchir avec différents experts du milieu académique et aussi des différentes institutions nationales et internationales sur différentes propositions qui pourraient aussi être présentées lors de cet événement.